Hier, les amis, on est à Cergy. Je vais vous faire une vidéo où il fait un peu gris, il risque de pleuvoir. Donc le but, c'est de pas vous montrer l'intégralité du parcours, mais vous aviez vu sur certaines vidéos de la chaîne les 9 premiers trous de Cergy. Je vous mets le lien là-haut avec un match play avec Christian. Et là, je vais le faire en mode vlog pour vous présenter un petit peu le parcours. Et comme il y a un groupe petit golf entre amis qui vient faire une compète prochainement ici, bah voilà, ça va vous servir un peu de reco pour ceux qui n'auront pas l'occasion de venir plus tôt. Donc là on est au trou numéro 10, c'est un par 4 qui descend. Tout le terrain est comme ça et je vais le jouer. Pour essayer de vous le montrer, je vais vous faire suivre ma partie. Allez hop! Hop hop! Parti à gauche, fairway de gauche, ok. Je suis sur le fairway. Allez, nickel. Yeah. Pas réussir à vous faire tout en mode de parcours, mais je vais quand même vous faire partager ma partie. Je fais le trou, je fais le golf de Cergy, histoire de me chauffer un petit peu. C'est la fin de semaine, c'est plutôt agréable. Donc là, celui-là est pas simple, il est relativement long. Il y a du vent encore, j'espère que ça ne va pas parasiter les micros. Ah, elle est montée, donc il va prendre le vent. Elle est pas longue. Ouh, ça vole pas beaucoup aujourd'hui. C'est de la gadoue. Ah, je suis pas bien avec mes fermes hein, en ce moment. Oh là là. Oh là là, elle est pas simple à jouer celle-là. J'ai les branches. Je sais pas trop comment jouer. J'ai pris un pitch en main. Le problème, c'est que je ne sais pas quoi jouer. Je sens qu'il va prendre. Ah! Putain de merde. Ouais. Et ben voilà, il me fallait un beau coup, ce sera celui-là. Je vais vous montrer ça de suite. Hop là, voilà. Oh bah ben ce serait sympa, c'est donné ça, non? Moi je dis, mais donné pour combien? Donner pour hop voilà un putt. Bon, ça me fait faire un putt, mais 1 2 3 4 5 6 double bogey, c'est pas terrible. Allez, je vous emmène sur le trou suivant. Donc là, trou numéro 11, 1 par 5. Bon, on a le vent de dos nous, et en fait l'alignement vaut mieux aller le prendre là bas sur le bunker, entre le bunker et la grosse boule d'arbre. Parce que le terrain descend. Et puis après, il y a les arbres là-bas qui gênent. Donc pour éviter de se faire gêner. Et je suis parti à gauche du bunker. Super loin en l'air. C'est plugué net. Je vais pas avoir d'ouverture. Ah, j'ai une balle qui est montée en l'air, mais qui n'a pas profité de l'angle, du coup j'étais aligné à gauche du fairway et je suis à droite du fairway. Allez. Sortir du trou. Et reviens. Oh là là. Et je refais une merde. C'est un coup un peu spécial à faire où je ne maîtrise pas trop, 150 mètres et je voulais passer les bunkers, blablabla. Du coup, j'ai fait une balle en rasbot. En fait, le danger qui se trouve sur la droite du trou, parce qu'il y a de l'eau quand on y arrive. Je vais vous montrer ça. Voilà. Le danger, en fait, il est là. On a de la flotte là tout le long, et comme le terrain ramène les balles sur la droite, c'est toujours risqué. Avec 90 mètres au drapeau. Avec un coup, des pieds en descente. J'espère que c'est assez long. Ouais, putain au drapeau.
Allez, reste. Allez, j'ai pitché au drapeau. Oh, pitché au drapeau. C'est jamais bien fameux là en longueur pour moi. Maintenant, je m'en sors toujours bien en approche putt. Alors là, je fais une approche, j'ai placé là-bas, là, 2,50 m du drapeau. Je sais pas ce que ça va donner. Ah, et bah, double bogey. Voilà. Parenté. Allez, double. Trou suivant, les amis. Démarrage. Donc là, c'est le trou numéro 12. C'est le 12 et c'est un par 3, le drapeau il est juste dans l'axe de l'arbre là. À droite là vous avez les gros bunkers et comme il a plu ce matin ils sont gavés de flotte. Maintenant je connais la règle. Évidemment. Ok, je suis sur le green et je vais être à droite. Il n'est pas simple, on est sur le retour là, du 10 au 18. Boueux, il y a du vent. Pas simple, mais bon. Je voulais vous faire en guise de recours pour certains compétiteurs au mois d'avril. Donc là, moi, je suis sur le green. Pas sur le bon plateau. Ah, oui. Eh ben un par sur le trou numéro 12. Allez, je vais vous montrer le 13. Un par 4. À toutes. Donc le trou numéro 13, un par 4, celui-là il est sympa. Le green en fait il est à droite du château d'eau, tout en montée. Donc va falloir aller le chercher. On a du vent là, aujourd'hui en latéral gauche droite du fairway. Elle est bien celle-là. Elle est bien avec le vent. Elle termine à droite du fairway. Elle a plugué au niveau du petit virage, mais je suis content, elle était très bien. Les miennes montent, elles s'arrêtent net. Ah, allez. Celui-là, il est super beau, avec la vue sur le l'alignement, en fait, c'est le château d'eau. C'était en montée, je voulais jouer avec le vent. La ferme, ah, je monte même pas sur le... Je suis même pas sur le green. Bon, allez, approche putt et ce sera réglé. Pousser là. Ok. Là, il y a le plateau, il faut la monter sur le plateau. Monte. Ah putain, elle s'arrête dans la butte. Je suis à l'entrée du plateau, mais c'est pas gagné comme coup là. Ah putain, elle sort pas de mon putt. Ah putain, c'est même pas donné. Hop là. Deux putts, une approche, bogey, je crois. Ça va, j'ai connu pire. Donc voici le par 4. Le 14, c'est un par 4, handicap 4, surplombant la ville. Il est super joli celui-là. Avec à ma gauche la route, en face la gare de Cergy. Et pour les longs tapeurs en bas, là, je ne sais pas si ça se voit encore à la caméra, il y a des roseaux, c'est une mare de flotte. Ouais, Andro. Et ça va finir... Non, juste devant le bunker. J'y suis pas. Une sensation agréable, ce trou. Les balles volent dans le ciel. Et comme en fait l'atterrissage est en bas. C'est super marrant.
Allez, moi j'ai mes balais, sont partis un peu à gauche vers le bunker, mais ce qui va me laisser toute l'ouverture. Voilà, j'ai mis une balle juste devant le bunker, plutôt bien placé, on est en hiver donc ça roule pas. Et là, j'ai juste en face, là au bout de la pointe de la grue. Ah non, elle tourne la grue, merde. Ok. Et merde, je viens de faire plouf. Qui est mauvais dans le fairway, je mets quand même un bois alors que là j'aurais dû me placer devant. Je peux être, je viens de terminer dans la mare donc je vais dropper une balle. Pouf, quel con. Voilà, allez, rattrape ta connerie. 1, 2, 3, 4e coup. Ok, ah, elle rentre, je sais pas si elle est rentrée, mais elle est juste à l'entrée du green. Je sauve à peu près ma bouse, ma merde. Allez. Oh la plaie, la plaie, la plaie, la plaie. Oh putain. On a le vent de face. C'est un par 4 et lui il va redescendre. Il y a d'abord un plateau puis après il part en dogleg et les balles partent à gauche. Il y a un espèce de poteau électrique là-bas qui peut servir de mire pour les plus longs frappeurs. Ah non, il revient pas moi. Enfin, elle va rester sur le plateau devant. Oh putain, elle s'arrête net. Allez, Zouille, 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 Zouille. Ravi de vous emmener golfer au golf de Cergy. Il a tellement plu cette nuit, hier, qu'en fait, c'est une gadoue. Pas possible, il est encore en mode hiver. Pas facile. Et dès que les balles arrivent de hauteur, les miennes volent en ce moment. Wouah ! Dès que les balles arrivent en hauteur, elles plug. Elles s'arrêtent net. Donc je perds beaucoup de distance, enfin, je roule pas du tout. Ok, donc je suis plein milieu fairway. Tiens, la balle, elle a plugué là, elle s'arrête net. Bien boueux. Ah. Voilà. Un alignement. Ok, sensation. Et... ok. Ok, alors déjà je suis sur le green, c'est la bonne nouvelle. Yes. Bon, en green en régulation, c'est plutôt pas mal. J'ai sorti un bois 5 en fait, parce qu'il y avait du vent de face et que j'avais 145 mètres à faire. Je me suis aligné milieu de green, donc elle est allée à... elle a atterri à gauche du green, alors que le drapeau est au fond à droite. C'est pas gagné en termes de putt, mais je voulais surtout, c'était pas terminé dans les bunkers. C'est surtout ça. Parce que là les conditions sont vraiment pas faciles. Mais je suis content, green en régulation, c'est rare à mon niveau. Bon, un long putt à sortir quand même, je vais vous montrer ça. Un pouillème de cheveux, je suis pas sur le green, mais je suis à hauteur de drapeau. Sauf que ça se putte ça. Allez. En deux ici, hein. Quand même. Elle n'est pas bien sortie d'une putter. T'as un bogey avec trois putts. Bon, ça va, c'est un bogey. Sur ce trou-là, il n'est pas facile. Ah, et ben voilà, c'était le 15. C'est 18. Oui, il nous reste trois trous sur le retour. Je termine par un bogey, moi je suis content. Allez, là on est au trou numéro 16, donc c'est un par 5. En fait, vous avez tout le dogleg là-bas, on voit pas le green, il est tout au fond. Et... je vais
entamer au drive, en vent de face. Ah, ça sort ça. Oh merde. Alors, je vais en remettre une provisoire. Mais elle a plugué, donc ça se trouve, je suis au piquet là-bas. Ah putain. Ah là là. Je mets une première balle, elle doit être hors limite, ou elle est juste. Je mets une deuxième balle, c'est toujours la deuxième qui est bien. Détendu du slip. Ah, dommage. Allez, on va voir ça. Je suis obligé de la jouer. Une barre. Allez, deuxième coup. Putain, plugué elle est. Ah, tu vois la galère? Je vais être en 3. Pour être à l'identique de ma pénalité. De ma deuxième balle. Elle était pluguée, je pouvais pas la sortir. Putain, ouais, j'ai retrouvé ma balle. Même si elle était en dehors des piquets, je la joue. Elle était pluguée, donc j'arrive pas à la sortir. Et je fais la deuxième. Du coup, je fais 3 coups pour être au même emplacement que ma balle avec la pénalité. Oh putain, mais bon, je l'ai joué, hein, c'est la règle. Bon, bah, je joue mon quatrième, hein, le fameux bois 5. Je joue que ça, moi. J'ai l'impression de trimballer un sac pour rien, des fois. Ça, c'est pas mal, hein. Ouais. Putain, elle... Plug net, gold de Sergi, pas mal du tout. Mais la condition un peu hivernale, il est difficile. Puis on est au 16. Comme souvent, hein, 18, ça crève les pattes, ça pète les pattes. Foufoufou. Allez. Allons voir cette balle. Donc, 1, 2, 3. Je vais jouer le cinquième coup. Heureusement, on est sur le fairway, donc j'ai le droit de replacer ma balle. Et elle est totalement pluguée. Je vais même la nettoyer. De là, ça a giclé, berk, que je pose au drapeau. Allez, stop. Ok, elle est restée en bordure du green. Ça m'aurait fait chier, ça m'aurait ennuyé qu'elle tombe, yes, qu'elle retombe dans le bunker, mais non, je suis en bordure du bunker, ok. Oh putain, bon bah ça sera un triple. Hein. Hop là. Bon bah voilà, un triple, mais avec une punition. Allez, il nous reste 2 trous à finir. Allez, trou numéro 17. Alors le 17, c'est en fait un par 3. Il fait 100, combien, 160 ? 155, ouais, 160. Et là, ouais, le drapeau, il est côté droit du green. En fait, il est à droite du bunker qui se trouve juste devant, là. Elle est bien. Allez. Ah, elle rentre pas. Dans les pattes, c'est le golf de Sergi Bogues. Ça est beau être un par 3. Allez, on finit ce trou au 18. Go, go, go. Alors elle est bien droite, c'est bien l'alignement. Hein. C'est ce
que j'avais indiqué, hein. Ça me met plein fairway. J'ai toujours une petite gratte. Hein. J'ai toujours une petite gratte, mais c'est pas mal. En fait, j'avoue que là où je suis content, c'est que normalement j'en ai plein les bottes et qu'au 18, j'y arrive plus. Et qu'à force de jouer et puis de m'entraîner, je me suis un peu entraîné cet hiver. J'ai fait des squats. Du coup, voilà, je suis un peu plus en forme, je tiens quand même sur mes pattes. Et là, j'ai mis une balle plein milieu fairway. En fait, c'est super rare quand je suis jusqu'ici, en première intention et en premier coup. Voilà. Allez, le drapeau est tout en face, là. Vous le connaissez, c'est le bois 5. Ah! Ah là là. Ah putain, 30 mètres. 30 mètres. 30 mètres. Je le disais quoi il y a 2 minutes? Je me suis entraîné, je l'ai pas dans les pattes. Tu parles. En fait, j'ai plus de bug. Ah là là. Allez, bon, on remet les mêmes et on recommence. Pas la même connerie. Mais merde! Oh là là! Je sais pas quoi dire. Bon les gars, s'il vous plaît, pendant la compète, petit golf entre amis. Voilà, je viens de vous faire une démonstration de ce qu'il ne fallait pas faire. Allez. Putain, je tape un drive énorme pour moi, je suis super content. Tellement content, je sais pas si c'est ça, hein, psychologiquement, je m'emballe. Je fais deux merdes. Les deux merdes, je viens de faire peut-être 100 mètres en deux coups. Allez. Ouais, c'est frappé, sauf que tu, je te parie bunker. Oh là là. Bon, je vous montrerai le 19e trou, logiquement qui devrait être mieux que celui-ci. Bon, je viens de vous faire une spéciale dédicace et j'avais pas appuyé sur le bon bouton de la caméra, donc sortie de green, les doubles putts, le birdie, tout ça, vous l'avez pas vu. En réalité, je vais faire un triple bogey encore une fois. Voilà, c'était le golf de Sergi, c'était un plaisir de vous le présenter et spéciale dédicace au groupe Petit Golf Entre Amis. Bah, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de faire le parcours, c'est un moyen pour vous de faire une mini reco. Et puis Vincent, l'administrateur du groupe et de l'association, je vais tout faire pour être là. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de me dégager du temps dans mon planning, mais c'était une spéciale dédicace pour vous dire que j'étais tout cœur avec vous. Bonne compétition les amis, amusez-vous bien et bon visionnage du golf de Sergi. Du 10 au 18, c'était le retour du grand parcours. Allez, à bientôt sur les réseaux.